Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Si vous m'avez suivi samedi dernier, je vous proposais une vidéo sur tous les achats que j'avais fait en métropole et surtout chez Action. Ça doit être ici ou ça doit être là. Bref, je me suis dit pourquoi pas utiliser quelques-uns de ces achats pour faire des cadeaux pour la fête des mères. Et oui, c'est dans 3 semaines et nous allons pouvoir commencer à faire quelques petites fabrications pour nos mamans. Alors, souvenez-vous, j'ai acheté plusieurs de ces boîtes de perles. Et c'est à partir de ces boîtes de perles que nous allons faire cette semaine 2-3 petites créations pour maman. Allez, c'est parti. Donc, dans chacune des boîtes, on trouve des perles, des petits charms et des fils. Alors, il y en a un qui est en plastique un petit peu étirable pour faire un bracelet. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus rigides, je pense, pour pouvoir faire un collier. Alors, on va commencer par le plus simple. On va prendre ce fil plastique étirable. Voilà. Et on va, regardez, on va y enfiler des perles pour faire un bracelet. Mes perles sont prêtes, mon fil, il va falloir le mettre à la bonne mesure. Alors pour moi c'est simple, je prends la mesure de mon poignet et je laisse un petit peu plus de fil pour faire le nœud. Quant à vous, vous prenez un bracelet de maman et vous mesurez la largeur de ce bracelet. Ensuite vous coupez le fil à la bonne dimension et c'est parti. Alors là, je vous laisse regarder ce que j'ai fait, mais bien sûr, les goûts et les couleurs étant différentes, j'ai commencé, recommencé plusieurs fois pour trouver un peu ce qui me plaît, c'est ce que vous allez faire aussi. Vous faites des essais jusqu'à ce que vous trouviez le bon assemblage, celui qui vous plaira le plus. Thank you.
Maintenant, vous pouvez faire comme sur ce petit emballage, deux trous de chaque côté et faire des anses. Ou alors faire un seul trou. Donc là, j'ai un petit appareil qui fait un trou. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, comment ça s'appelle, une aiguille avec du fil et faire vous-même le trou. Vous mettez à l'intérieur votre broche ou n'importe quel bijou que vous avez réalisé et vous fermez avec un joli petit nœud. Une fois que vous avez réussi à en faire une, amusez-vous à en faire de tailles différentes, de couleurs différentes, afin d'y mettre les bijoux ou autre chose que vous avez créé pour votre maman. Ici, c'est le bracelet, mais il y a tellement d'autres choses que l'on peut créer. Une bonne fête à toutes les mamans! Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu y trouver quelques idées pour fabriquer vous-même vos cadeaux pour la fête des mères. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail, de marier les couleurs, de savoir si vous avez envie de faire un bracelet, pourquoi pas une bague, des boucles d'oreilles, une broche, bien d'autres choses encore. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre ou d'autres idées, créations pour la fête des mamans. D'ici là, les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Et on se retrouve en pleine forme la semaine prochaine. À tout bientôt!